Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment résoudre l'inéquation suivante. Donc entre parenthèses x plus 4 fois entre parenthèses 1 moins 2x supérieur ou égal à 0. Donc tout d'abord, il faut résoudre de cette façon. Séparer les deux parenthèses. Donc x plus 4 supérieur ou égal à 0. Et on rajoute un petit plus pour nous aider pour la suite de l'exercice. Et donc, cela va nous donner x supérieur ou égal à moins 4. Ensuite, on fait 1 moins 2x supérieur ou égal à 0. Ce qui va cette fois-ci nous donner x supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc, maintenant, on a nos deux résultats. On va prendre un tableau de signes et on va compléter. Donc tout d'abord le plus petit, moins 4, et ensuite 1 demi. Maintenant, on va remplir les cases par des plus ou des moins. Donc vu que le résultat là est négatif, on va mettre un moins ici et deux plus. Alors que là, le résultat est positif, du coup, on met 2 plus et un moins. On n'oublie pas de mettre les zéros qui font la jonction entre le négatif et le positif. Et maintenant, on regarde, car moins et plus, cela fait moins. Du coup, voilà, plus et plus fait plus, et moins, plus et moins font moins. Maintenant, on redescend les zéros. Et donc voilà. Donc, on en déduit que l'inéquation entre parenthèses x plus 4 fois entre parenthèses 1 moins 2x supérieur ou égal à 0 admet pour ensemble de solutions S égale crochet fermé. Car l'intervalle est strict, compris l'intervalle strict est compris entre moins 4 et 1,5, donc on comprend le moins 4 et le 1,5 dans l'intervalle. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.